Donc, nous sommes ici à Saint-Louis, comme nous l'avons fait à Thiers. C'est pour faire un peu le point sur l'état du processus d'inscription sur les listes électorales. Et deuxièmement, voir un tout petit peu les contraintes, les obstacles qui sont rencontrés, pour ensuite voir comment nous pouvons, en rapport avec l'administration, résoudre ces problèmes. Nous avons été reçus par Madame le préfet de Saint-Louis, nous l'en remercions. Et nous avons visité deux commissions, deux ou trois. Trois commissions. Nous avons constaté que les commissions inscrivent en général une centaine de personnes par jour, un peu comme à Thiers. Si bien que si les engagements pris par le président de la République lorsque nous l'avons rencontré sont respectés, c'est-à-dire si nous allons à 700 commissions au 15 janvier au plus tard et que ces commissions gardent le rythme, 100 inscrits par jour et plus, on pourrait probablement atteindre plus de 5 millions d'inscrits. Naturellement, c'est notre objectif, nous, de Manco. Nous voulons que l'ensemble des Sénégalais en âge de voter puissent aller s'inscrire.